Hey, lay down! Et qui va décharger cette mule? Je suis complètement crevé! Drum. Un bon copain tué par balle, par on ne sait qui, enterré en ce lieu par Cole Boyard, son copain, en avril. Cole! Je suis assis dans la mine pendant 2 jours. Je devenais complètement dingue. J'aurais tiré sur n'importe quel truc à 2 pattes, Will. Et sauf toi. Si j'avais su que c'était toi, j'aurais pas... Ça fait rien. Explique-moi ce qui t'arrive. Oh, t'aurais dû être là, Willett. Je croyais que tout le monde y était passé, que je serais le prochain. Ah, mais ça a ni queue ni tête, ce que tu dis. Alors commence par te calmer et dis-moi ça de façon que je comprenne où est Ken. Comme j'ai dit, après ton départ, Leland et Ken décident d'aller à Winslow. Pour le plaisir, qui dit Ken. Je peux venir? Ah non, qui dit. Quelqu'un doit garder la boutique et le reste, alors tu restes, collé. Et puis... Et ils s'en vont, pour revenir que le lendemain, très tôt. Et puis ils m'ont réveillé quand je les ai entendus se disputer. J'en ai conclu qu'ils étaient beurrés. Je voulais me rendormir quand ton frère Ken est entré comme un fou. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu « Ta gueule, je prends ton cheval ». Et il s'est barré sur mon shorty. Ensuite, Leland m'a expliqué qu'il avait renversé un homme et une personne de petite taille dans les rues de Winslow. C'était peut-être un enfant. Est-ce qu'il les a tués, que je demande? C'est pas sûr. Mais il n'a pas voulu s'en assurer. Et il s'est barré. C'est à feu que je dis. Et je me rendors pensant que Leland allait faire de même. Mais on me réveille à nouveau. La voix de Leland et une autre, dont je suis pas sûr. Peut-être celle de ton frère. J'aperçois Leland qui boit du café. Et je lui demande à qui il parle. Il semble qu'il va me répondre. J'attends. J'attends. Quand tout à coup, il s'écroule. Alors je me suis barricadé, mort de peur. Et j'ai tellement eu les chocottes tout seul là-dedans, Will, que j'en suis pas encore remis, tu sais. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, comme ça. Ma parole, Cole, tout ça n'est pas très clair. Je comprends pas pourquoi, si Leland a été mêlé à l'incident de Winslow, il s'est pas tiré lui aussi, comme tu m'as dit que Ken l'a fait. Renverser un mec et quelqu'un de petit, c'est ce que Leland disait. C'était peut-être un gosse. Mais attends, de se faire tuer en restant assis, j'y comprends rien du tout. Ça lui ressemble pas. Non. Donne-moi ton feu, Cole. Qu'est-ce que tu vas en faire? Peut-être bien que j'en aurais besoin, alors donne-le-moi. Non, je pourrais moi aussi en avoir besoin, on sait pas avec ce qui se passe. Je voulais pas te le dire, nerveux comme t'es. Mais on m'a suivi presque jusqu'ici, mais j'ai pas pu voir qui. Où est ton revolver? Tu n'as qu'à t'en servir. Et tu vois bien que je l'ai pas, ou alors je te demanderai pas le tien. Non, monsieur, non, pas en temps d'emmerde. J'en ai marre, Cole. J'arriverai pas à m'endormir si tu me le donnes pas. Mais moi, alors? Ça ira. Tu peux compter sur moi. Tandis que le contraire, ça marcherait pas. Je resterai assis. C'est ça, ouvre tes oreilles. Bien sûr, ceux qui ont un flingue peuvent dormir. Et puis moi, je suis pas foutu de reconnaître le cri de la chouette d'un meuglement. Chiotte, je suis
suis tout aussi crevé que toi. Willette? Hé, hey, Will. Je peux te faire confiance? Réponds. Merde alors. J'ai tellement faim que je pourrais bouffer mon poing. Je m'assierai pas là, oui. C'est là qu'il était. Là, juste où tu es. Il buvait son café. Dépêche-toi de rentrer les provisions sous la tente, Colette. Peut-être. T'as bien que c'était ton imagination. Tu crois pas? Fais ce que je te dis. Oh, merde. Comment ça se fait que c'est toujours moi qui... C'est toujours moi qui me pèle, sale boulot, je vous dis. Ouais, toujours moi. Ouais. Encore quelque chose qui me plaît pas du tout. Monsieur. Hé! Hey! T'es cinglé! T'es cinglé, ne reste pas là! Ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Planque-toi, Willette! Reste pas là, Will! C'est toi qui as le flingue, rappelle-toi! Comment je peux compter sur toi si tu te tiens comme ça, à découvert? Ferme-la! Je vois quelque chose! Quelqu'un vient! Par où? Et tout droit! Un peu sur la droite! Et viens par ici pendant qu'il est encore temps! Un seul? Ben, je vois pas bien. Ouais, ouais, un seul. Ça va, collègue, calme-toi maintenant. Reste planqué là-bas et ne dis rien surtout. Willette! Je serais très reconnaissante si vous vouliez me vendre un de vos chevaux. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici à pied? Mon cheval a trébuché et s'est brisé une jambe. J'ai dû l'achever. Je vous paierai bien pour un bon cheval. Et pour un abri. Et si vous voulez bien m'aider, je voudrais récupérer mes affaires qui sont là-bas. Nous en serions très heureux, madame. N'est-ce pas, Will? Ça ne me dérange pas du tout. J'aimerais le cheval brun. Le bai? Le bai, c'est celui de Will. C'est le sien, madame. C'est celui-là que j'aime. Ah oui, mais je crois bien que Will l'aime aussi. Je voudrais le cheval brun. Je vais vous donner le cheval noir là-bas, mademoiselle. Il appartenait à un type mort, comme ça vous n'aurez pas à le payer. Allez, va chercher la jument de Lélan et mets-lui sa bride. Quel
pourquoi pas celui de Kane? Il n'a pas l'air en forme. Oui, mais j'en veux pas du tout pour moi. Est-ce que vous me regardez, monsieur Gachad? Comment connaissez-vous mon nom? J'ai entendu dire que vous étiez un chasseur de primes, monsieur Gachad. C'est pas comme ça que je me définirais. Ah non? C'était une façon de gagner ma vie dans le temps. Et maintenant? Travail de la mine me suffit. À première vue, ça n'a pas l'air de vous enrichir. Combien me demanderiez-vous pour me conduire par le supplice à Kingsley? Je demande rien. Je vous ai dit que je vous paierais vraiment bien. Et je vous ai dit que tout allait bien pour moi. Regardez-moi, monsieur Gachad. En faisant preuve d'énormément d'imagination, pensez-vous que je puisse arriver à Kingsley toute seule? Il n'y a pas que moi qui connaisse le chemin, madame. Mais c'est à vous que je demande. Je vous en prie, pensez-y. C'est exactement ce que je fais. C'était un magnifique cheval, madame. J'ai l'impression que vous l'avez poussé à bout. C'est dur de trouver de beaux chevaux comme ça. Pourquoi vous l'avez tué? Il n'y a pas une seule trace de fracture sur ses pattes. Je vous donnerai 500 maintenant et 500 à notre arrivée. Combien de temps ça prendra? 2 semaines? 3? Combien d'or pouvez-vous trouver dans cette mine en 3 semaines, monsieur Gachad? 3 semaines? Laissez-moi réfléchir. Ah, je dirais bien que... Peut-être qu'en ce moment, eh bien... Bah, ça sera pas tellement brillant. Et qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'ai fait de mon mieux pour le vieux Leland. Car le temps que je prenne mon revolver pour l'aider, bah, il était déjà mort. Et comme le frère de Will s'était sauvé... Il restait plus que moi pour faire de mon mieux pour le vieux Leland Drum. C'était pas en avril. Comment ça? C'était en mars. Ah. Son copain... En mars? Elle m'aime pas beaucoup. J'en sais rien. Mais elle offre une bonne prime. Ouais. Mais elle dit pas pourquoi. Pour qu'on l'emmène à Kingsley? On verra. On y va? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as? Eh bien, si Ken a fait des conneries, s'il a blessé quelqu'un ou tué quelqu'un... Un mec et un autre plus petit. Ça me demande pourquoi personne n'est venu ici le chercher. Peut-être bien que c'était un gosse. Madame, j'ai bien réfléchi. Cette eau n'est pas propre. En réalité, elle est croupie. Je vous en prie. Attendez. Il y a plein d'œufs de grenouilles dans cette eau. Oh, pas de grenouilles. Eh bien, alors quoi? C'est d'autres choses. Tenez. Voilà. Oh, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Quelques types de serpents sont connus dans le coin pour procréer dans les eaux. Dans cette eau-là? Ah ouais, et on a même connu des gens qui ont avalé des petits œufs. Vous savez, les œufs sont éclos à l'intérieur, mais ils l'ont su, mais trop tard. Que voulez-vous dire par trop tard? Supposez que ce soit un serpent venimeux et quand l'œuf éclos, il a faim. Alors qu'est-ce qu'il va manger? Ce qu'il y a de plus près, c'est vous? Pas moi, parce que je n'ai pas avalé de cette eau. Alors vous avez de la chance. Dites, madame. Madame, j'ai bien considéré votre offre. Est-ce que vous m'entendez? Je vous emmènerai à Kingsley comme vous me l'avez demandé, mais alors Collet va devoir venir aussi avec moi. Et voilà pourquoi je vous demande 1 000 $. Il faut que je puisse le payer aussi. Rappelez-vous les 5 dont vous m'aviez parlé quand vous êtes arrivé. Voilà. C'est mon offre. C'est d'accord. Je n'ai pas le choix, mais c'est d'accord. Partons maintenant. Prends ça, Collet. Non, prenez, monsieur Gachad. Je suis prête à partir. On partira demain. Non, maintenant. Il vaut toujours mieux partir le matin. Vous voulez partir avec moi maintenant? Moi? Eh oui. Collet. Alors, ramassez l'argent. Collet. Prenez! Collet! Et quoi, Will? Charge la mule. Pas de mulet. Je n'ai pas l'intention d'être retardée par une mule. Elle ne nous retardera pas. Ça. Pas de mule! Monsieur Gachad, connaissez-vous Cross Tree? Ouais.
nous allons par là. Cross Street, c'est pas Kingsley. Aucune importance, d'abord Cross Street. C'est pas sous le chemin. Combien en plus? 40, 45 miles. Quelle direction? Il va falloir aller plus vite. Ouais, monsieur. Tu cours sur quatre pattes maintenant, tu marcheras sur deux plus tard. Aigne-toi, Collet! Ken s'est barré sur Shorty qui était un cheval formidable. Et il m'a laissé avec cette vieille carne, aux jambes cagneuses et à la tête qui tombe par terre. Merde! Il n'arrive même pas à suivre cette mule. Il n'a même pas la force de chasser les mouches avec sa queue. Je vous jure, c'est pas marrant. Mademoiselle, je suppose qu'on s'arrête? Prends la bouffe sur la mule, monsieur. Vous pourriez essayer d'être un peu plus aimable. Occupe-toi de la mule, Collet. Ah, c'est vraiment agréable. Je n'irai pas jusqu'à vous demander de bien m'aimer. Alors, la mule. De m'aimer? Shirley m'aime. Arrête de parler. Même l'autre serpent ne pourrait m'empoisonner plus que ce café. Madame, pensez-vous que je pourrais vous appeler par votre prénom ou quelque chose? Je veux dire que mademoiselle ceci ou cela, vous savez, plein de respect, jusqu'à ce que vous me connaissiez mieux. Mais oui. Dites-moi seulement quel est votre prénom favori. Mon prénom favori. Voyons. Mon prénom favori, c'est... Mon Dieu, je n'arrive pas à penser à un nom de femme. Enfin, voyons... Ouais, et il a le nom de ma mère, je connais celui-là. Mais voilà, je ne l'ai jamais appelé comme ça, seulement maman. Ça ira, Collet, vous me dites seulement quel était son nom. Voyons voir, mon père l'appelait comment? Hortense. Eh bien, ne m'appelez jamais comme ça. Madame... Alors, dites-moi comment? Arrête, tu vois pas qu'elle se fout de toi, idiot. Laisse tomber ou tu le regretteras. T'as pas entendu ce qu'elle m'a dit, Will? Elle m'a appelé Collet. Elle dit que c'est bien comme ça, Collet. Boyard, son bon copain en... Ah, je vois pas, on a effacé quelque chose. On dirait que quelqu'un a réglé son compte avec l'un d'eux, hein? Ouais, on dirait. Mais va voir si tu trouves quelque chose. Bien. Bon, ça n'a pas d'importance. Et l'autre, alors? Il pourrait être n'importe où. Peut-être qu'ils essaient de nous endormir avec cette tombe. Ouais. Et ils ne me connaissent pas. Alors, continue? Ouais. Je ferai tout mon boulot. Hé, vous ne dormez pas? Non, pas du tout. On y va maintenant. Où est la mule? Je t'avais dit de la tasser, la mule. Je l'ai fait, Will. Elle n'est pas là? Je l'avais attaché, je t'assure. Là, ici, je te jure. Et tiens, regardez-le comme tu m'as appris. Eh bien, quelqu'un est venu et l'a détaché. Vous venez m'aider, s'il vous plaît. À votre place, je ne ferai pas ça, madame. Quand ce cheval met ses oreilles en arrière, c'est qu'il va démarrer. Ça va vous faire bronzer. Fermez-la. Vous pourriez pas me dire pourquoi on va à Cross Street? On va à Cross Street? Mais pourquoi, Willette? Pour changer les chevaux, hein? C'est ça, changer de chevaux. Adieu, vieille ganache. Eva,
de chevaux et autant de victuailles que tu pourras en mettre sur les trois. Et pas de mule? Pas de mule. Deux seulement, Will, et pour le troisième? Non, lui, ça va. Deux, je t'ai dit. Attends, Will. Hé, je pourrais pas avoir un petit peu de fric pour moi? Pour quoi faire? Eh bien, rien. Enfin, seulement pour que je puisse m'acheter une bricole, quoi. Enfin, je sais pas. Tu procures seulement les chevaux et tu les charges. Et tu t'achètes un pistolet. Yate, tu viens des écuries là-bas et tu as vu mon ami, oui, la jeune femme. Bon, alors écoute, je l'accompagne dans son voyage. Sais-tu comment elle s'appelle? Yukatoye. Tiens, prends ça. Alors écoute-moi bien, tu vas me dire qui elle est et ce qu'elle fait ici ou je te casse en deux. Je donne papier. Ça veut dire quoi, papier? Écrire ou une lettre? Tu sais lire? Ah, et qui te l'a donné? Barbe. Barbe? Un barbe. Tu veux dire un homme barbu? C'est ça son nom? Un barbe. Où est-il allé? Loin. Au nord. Loin. Loin, homme barbe, loin, au nord. Non. Dans quel état tu es? Tu veux un morceau de sucre, Shorty? C'est Shorty? Salut, Will. Regarde qui est là. Mon vieux Shorty. Complètement épuisé. Et avec un sabot cassé. Ken est venu ici. Tu sais où il est? T'as demandé? Il l'a crevé. Il l'a vendu. Et le type veut s'en débarrasser. Parce qu'il peut pas servir. Et qu'est-ce qu'on t'a dit sur Ken? Ah, presque rien. Ken est passé il y a quelque temps, et puis il est reparti il y a une paire de jours. Le type sait pas où. J'ai demandé à d'autres, ils savent pas non plus. Ils lui ont juste vendu un cheval. Et il a laissé le pauvre vieux Shorty. Hé, Will. Qu'est-ce qui a pu le faire fuir? Il fuyait pas, le type n'a pas dit qu'il fuyait. Il a dit, tu pourrais me donner 50 dollars? Je veux celui-là. Mettez ma selle sur celui-là. Tout de suite. Pourquoi tu veux 50 dollars? Tu sais, pour pas que... Tôt ou tard, ça arrivera. Mais qu'est-ce que c'est que 50 dollars? Pour qu'il le garde et qu'il mange jusqu'à ce que je revienne. J'aimerais qu'on me demande ce que je préfère avant. Monsieur Gachade. Tu veux un morceau de sucre, Will? Il faut commencer à gagner votre argent. Kingsley? Nous verrons. J'irai bien faire un tour à la chasse. Si j'avais envie de partir maintenant, je me fous du fric. À moins que vous me disiez immédiatement ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas le seul à connaître le chemin. Vous y connaître, madame. Et vous aussi, Collé. Moi? Et aussi, monsieur Gachade. Nous perdons du temps. Pourquoi on se presse tout le temps, hein? Où est le plaisir, alors? C'est moi qui ramasse toute la poussière. Ah,
Si j'entendais votre nom, je ne saurais même pas que c'est vous. Dites-le-moi. Non. Je ne vois pas la raison. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui chante. Vous voulez qu'on mette pied à terre? Comment sont les traces? Plutôt fraîches. Pourquoi l'avez-vous amené? C'est bien ce que vous vouliez que je fasse, non? Pas si vous êtes un chercheur d'or, monsieur Galchad. Willette, regarde là-bas. Ouais, monsieur. Ouais. Ça ressemble à un mec, hein? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Tu crois qu'il nous a vus? Oh oui, il nous a vus. Sont plus fraîches. La piste s'arrête ici, repart par là. C'est moche. Attendez, où allez-vous? À Kingsley. Non, on suit par là. Mais d'après moi, madame, elle s'arrête ici et disparaît dans le supplicio. C'est bien suffisant d'en traverser une partie pour aller à Kingsley. Vous n'y arriverez pas en passant par là. Alors pourquoi quelqu'un est-il allé par là? C'est parce qu'ils ont envie de se perdre. C'est la seule raison, à part l'ignorance, que l'on peut donner. On ira par là, monsieur Galchad. Moi, je ne vois rien. Et qu'est-ce qu'on suit, de toute façon? Je crois que vous savez qui a pris cette piste mieux que moi, madame. Comment savez-vous qu'elle va vous conduire vers ce que vous cherchez? Et moi, je vois comment tout ça finira. Mais personne ne veut m'écouter. Retenez votre cheval. Mais pourquoi ces coups de feu sans arrêt? Vous essayez de signaler notre route à quelqu'un, c'est ça? Vous êtes vraiment un idiot. Vous allez me dire ce que ça signifie? Je vous déteste. Elle s'entraîne, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Vous n'êtes pas bien? Elle a l'air malade, oui. Ne me touchez pas. Et ce mec là-bas, hein? Qui est-il? Il nous suit. Laisse-la un peu tranquille, tu vois pas? Oh, regarde ce que tu as fait, mademoiselle. Non, elle veut valser. Je vais vous aider à descendre. Oh, bon sang, mais arrêtez de me ploter. Mais vous glissiez. Ah, oh, mais non. C'était une excuse pour me ploter. Est-ce que vous avez fini de me regarder? Remontez sur vos chevaux. Monsieur Galchad. Si vous n'allez pas mieux que ça, vous feriez bien de mettre pied à terre. Combien de temps avant la nuit? Une heure à peu près. On continue jusqu'à la nuit, je suppose. Tu l'aimes pas beaucoup, on dirait, hein? Elle a rien du tout qu'on puisse aimer. Et tu continues à la suivre parce qu'elle est jolie? La beauté, c'est rien du tout. Ça rapporte du plaisir qu'aux yeux. Je trouve encore plus beau un cobra ou un arc-en-ciel. Parce qu'au moins ça signifie quelque chose, et c'est vrai. Eh bien, je suis content que tu ne sois pas amoureux d'elle. Non. C'est seulement un petit truc qui passera. C'est tout. Si je te le demande, c'est que je voudrais pas qu'on se dispute au sujet de mademoiselle. Ok? Allez, tu devrais essayer de l'oublier, Collet. Parce qu'elle a d'autres sujets d'intérêt que toi. Ça veut dire quoi?
Tu sais, je suis pratiquement convaincu qu'elle cherche à tuer quelqu'un. Aidez-moi. Est-ce que ce serait abusé de vous demander si vous avez du thé? Du thé? Oui, j'ai du thé. Du thé? Puis quoi encore? Mon bidon, si elle veut des huîtres, une petite cuillère. Ah oui, j'en ai, c'est du spécial, du thé. Du thé spécial. Tenez. De l'oilings, du thé noir qui vous réconforte. Ça, c'est de la prévoyance. Comme c'est gentil. Pourquoi vous le travaillez au corps? C'est plus facile que vous. Il ne voit pas ce que je vois. Peut-être que lui me sera plus utile. Vous croyez qu'il sera capable de vous conduire sur la piste du supplicio, hein? Si vous ne le faites pas, peut-être. Qu'est-ce rien du tout, madame. Il cavale peut-être comme un jeune chiot, mais il ne pourra pas vous conduire. Mais il ne pourra pas non plus m'arrêter. Alors maintenant, laissez-moi seule que je puisse dormir. Vous avez vu ce que j'ai réussi? Donnez-moi ça! Vous allez cesser de faire l'idiot! Mais qu'est-ce qui vous prend? Il a donné le mauvais signal pour vous cette fois? Est-il? Non, arrêtez. Ne portez pas la main à votre revolver, il peut vous voir. Mais bon Dieu, qui est donc là-bas? Billy Spear? Problème? Ce n'est rien, Billy. C'était une erreur. Une erreur? C'est bien celui qu'on avait repéré. Qu'est-ce qu'elle fout avec lui? T'as rien remarqué? T'as vu comme elle lui ressemble? Ah non, j'avais pas fait attention. C'est le mec le plus antipathique que j'ai jamais vu. Non, monsieur, je peux pas le saquer. J'espère que tu vas garder ça pour toi, Colley. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Une bonne raison. D'abord, c'est un excellent tireur, si j'en crois ce qu'elle a dit. Et je ne veux pas que tu te trouves sur sa trajectoire, ok? Oui, si tu le veux, d'accord. Un chiotte, un sacré prétentiaire. Et qu'est-ce que t'as là? Oh, c'est un jeu. Tu dois balancer des balles dans les yeux du gars, là, et en même temps dans sa bouche.
C'est assez difficile, j'y suis pas encore arrivé. Voici Billy Spear. Il devait nous rejoindre plus tard, mais puisqu'il est arrivé, il continuera avec nous. Ça, je m'en doutais. Monsieur Gachad, est-ce que vous vous doutiez que nous serions peut-être quatre? Eh bien, voyons. Quel que soit son rôle dans cette histoire, je suis certain qu'il ne fait pas que suivre les signaux. Vous n'auriez pas eu besoin de tirer autant pour qu'il réplique. Donc, je pense que je suis à ma place et que je gagne toujours mon argent. Eh ben, t'as réussi à tous les mettre, dis donc. Et j'en ai un autre aussi. Tu veux le voir? Eh bien, j'espère qu'ils nous feront un effort pour essayer de nous entendre. Voilà, nous partirons dans 3 heures. Au lever du soleil. Regardez, mademoiselle, ça arrive pas souvent, c'est un petit jet bleu. Faites un vœu, c'est un signe de chance. Qu'en dis-tu, Billy Spear? Vraiment bien. Bon résultat. Ce sont les derniers arbres que vous allez voir. Alors, si vous voulez tirer sur quelque chose d'autre, c'est maintenant. Ouais, monsieur. Celle-là semble aussi fraîche que celle d'hier, madame. Et ils n'ont pas l'air pressés. Comme s'ils n'étaient pas suivis ou qu'ils s'en fichaient. Vous ne croyez pas que ça va demander encore longtemps pour le rattraper? Le, madame? J'ai dit il. D'autres empreintes se sont effectivement jointes aux premières traces. Et ces traces sont faites par 2 chevaux. 2 chevaux? On y va. Attendez, madame. Laissez-moi tranquille, Gachad. Je peux voir la piste facilement. Je n'ai même plus besoin de vous. Billy! Cheval est en train de boiter. Non, non, ça ne fera aucune différence pour le cheval. Mais pour vous, ça en fera une. C'est votre bouffe que vous balancez et pas la mienne. Détruisez tout ce que vous touchez. En commençant par vous. Laisse tout ça. Je t'ai dit quelque chose. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis, espèce de trou du cul mal léché. Je te ferai sauter la cervelle. Cheval, ça va sûrement pas être facile pour lui. Tu préfères peut-être marcher? Non, mais j'aurais préféré que tu montes derrière moi. Si t'arrêtes pas de penser à elle, j'aurai plus de respect pour toi, c'est compris? Tu te rappelles pas qu'elle a voulu te faire sauter la tête? Mmh.
J'ai comme un drôle de sentiment. Je ne sais pas si je dois en parler. Alors tais-toi, essaie vraiment de la fermer. Je ne veux pas fatiguer ce cheval. Ok, Willet, mais je ne suis pas certain de ne pas avoir quelque chose à dire. Triple mes gars, j'ai triplé encore et j'irai pas aussi loin. Et toi, si tu recommences une seule fois à meugler à propos d'elle, je te balance de ce cheval sans un mot. Mais je ne parlais pas d'elle. Mais tu l'auras abandonné le tien si facilement que ça me rend malade. Et maintenant, t'es un fardeau pour ma bête. Je regrette, Willet. Oh, la ferme, veux-tu? Je ne veux plus entendre tes conneries. Tout ça pour cette gare, cette poule que le Seigneur, s'il y en a un, voudrait qu'on appelle une femme. Non, monsieur. Je l'ai perdue. Voulez-vous prendre la tête maintenant? Prenez collet, alors. Descends et charge ces foutus paquets. Non, vous le gardez. Tu veux monter derrière moi, gamin? Laissons-le là. Vous dites n'importe quoi. Non. Monsieur Gachad, ce n'est pas une mauvaise idée. Nous perdrons moins de temps et nous reviendrons le rechercher. Vous aurez besoin de ce paquet, Collet. Enlevez-le. Will? Elle a raison, tu restes pas. Vous voyez? Mais vous voyez qu'il nous fait perdre du temps même en 7 minutes. Alors j'insiste pour qu'il reste. Reviens et monte derrière moi, Collet. Il nous emmènera gentiment. Ce qu'il faut faire. Hein? Je reviendrai te chercher. Tu dois m'attendre. Je te promets de revenir. Mais combien de temps tu penses mettre? Passe-moi les revolvers, gamin. Pas longtemps. Partons. Collet. Trouve un peu d'ombre. Oh, attendez, mademoiselle. Est-ce que je peux sortir mes affaires? J'allais oublier. Merci, Collet. De rien. À plus tard, j'espère. Tu veux monter avec moi, gamin? D'accord. Autant ne pas être abandonné comme ça. Ça t'a plu la façon dont j'ai descendu les Landrum? Écoute ce que je te dis. Je te fais sauter le crâne au premier mot que tu sors. Va t'installer là-bas. Réfléchis à ça. Aussi loin que ta voix peut porter, t'es pas trop loin pour que je me retourne et que je te flingue entre les deux yeux. Ton cerveau va frire ici, tu sais ça? Plus facile de rester derrière. Si je vous laissais partir, vous aussi, partiriez-vous? Vous entendez ce que je vous dis? J'aurais pu partir n'importe quand. Je vous demande maintenant. J'ai mes raisons pour rester. Vos raisons? Personne ne doit être tué. Mais la raison d'une chasse, monsieur Gachad, c'est de tuer. Tu me parles? Non, Billy. Il m'avait semblé. Je pensais tout. J'ai souvent lu dans la pensée des gens. Tu ne les enlèves jamais? Il te parlait de moi? Pas même avec une femme? Qu'est-ce qu'il avait à dire?
Il sait pourquoi tu es là. Il faut pas t'inquiéter pour ton ami, tu sais. Il est en train de se reposer. C'est pas comme nous. Non, c'est exact. Pas d'inquiétude. Il est là où je veux qu'il soit, là-bas. Tout à fait en sécurité. Regardez ça. Attendez. Je vais y aller la première. Billy, fais-le rester en arrière. Demande-le lui. Vous le connaissez? Elle vous paye bien pour ça? Aussi bien que toi. Vous ne vous achèterez pas en payant le double, hein? Ouais, je l'aurais parié, vous le faites pour rien. Presque rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Elle m'aime bien. Vous connaissez quelque chose sur elle? Son nom? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette direction? La même chose. Non, après. Kingsley. Vous avez raison, Gashad. Kingsley, pas l'enfer. Et que fait-on pour lui? Il ne vous intéresse pas? Non, pas maintenant. Il s'est cassé la jambe. Qui est-ce? Rien qu'un ami. Un ami? Comme lui et moi? Oui, comme vous et Billy. Où est son cheval? Je ne vois pas de cheval. Il a dû s'égarer par là. Vous pensez à coller? Ouais. Il s'en serait servi. Vous avez laissé ce pauvre garçon là-bas, sous ce soleil brûlant. Je lui ai laissé toute mon eau. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi vous ne l'avez pas descendu? Billy, as-tu jamais laissé un ami derrière toi? Je n'ai jamais eu d'amis. Et à propos de vous, Willett? C'est différent. Il est beaucoup mieux là où il est.
manger? Non, Billy. Tu n'en veux pas? C'est du sucre. C'est tout ce que j'ai à vous offrir, je regrette. Je vous en prie, allez-y. Je ne peux pas vous aider davantage tout de suite, parce qu'il faut que je les rattrape aussi vite que je peux. Ils sont par là? C'est ce que vous pensez, hein? Oh, c'est certain. Je reviendrai vous chercher avec Will. Je suis désolé de vous laisser ici. Oh, attendez. Tenez. Prenez-en un des deux. Lequel vous préférez? Celui-ci? Ça m'étonne. En principe, les gens préfèrent celui-là. Hein? Quoi? Il n'y en a plus une goutte. Ce qui se passe. Ce cheval s'en va. Je l'ai vu. Combien de temps pour le rattraper? Ça dépend. Qui passe en dernier? Lui ou vous? Pourquoi tu fais ça? Eh bien, il avait déjà dégainé. Il allait tirer, t'as qu'à lui demander. C'est malheureux. Mais il aurait dû rester en arrière. Il ne
ne m'aimait pas. C'est pour ça. Il savait qu'on ne me provoque pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je sais ce que vous ressentez, Gashad. J'ai ressenti la même chose plus longtemps que vous. Ce sera votre dernière bêtise. Vous me haïssez aussi. Elle va tomber. Tu peux le voir. Les empreintes vont vers les rochers. Thank you.
Thank you.